Yes, ici Barès Itovio sur Itovio Gaming. Je vous balance mon petit let's play de Mass Effect Andromeda. Un jeu que j'ai vraiment adoré. J'y jouais une fois, puis après j'ai recommencé avec beaucoup de modes inclus. J'en tire vraiment une expérience bien meilleure en fait. Hein. Le jeu a été carrément amélioré par ses bénévoles sur Nexus Mod. Et c'est une très belle découverte. Hein. J'ai mis un an avant d'y jouer. Hein. Le jeu est sorti en avril 2017. Je sais que ça fait longtemps. Mais regardez, les graphismes de la cinématique déchirent quand même. C'est très propre. Alors que le jeu a pris vraiment une critique de masse en fait sur les résultats des premiers patchs. Hein. Moi j'ai bien attendu un an et ça a vraiment payé. Le jeu a été patché 10 fois de suite, puis modé par milliers en fait. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette expérience avec, sans mode, deux parties qui m'ont éclaté. Et là, je vous partage ma deuxième avec la découverte de l'aventure et de mes modes en même temps. Bisous. Là, on comprend un peu que les différentes races de Mass Effect se sont tirées entre le 2 et le 3. Shepard, il est venu, il a dit « Hey, les moissonneurs !» Il y a un mec, il a dit « Ok, on se tire !» Donc, chaque race a créé son arche pour se tirer. Donc, 20 000 unités de chaque race se sont tirées et ils arrivent tous dans un bordel à 600 années de voyage. Hein. Même en voyage lumière, en warp, à travers la gate, tout ce que tu veux. 634 ans plus tard. T'sais, les mecs, ils ont été cryogénisés en fait. Donc là, tu les vois, ça arrive avec le gros vaisseau humain, je crois. Ça claque, on dirait un peu un genre de citadelle qui se balade pour de vrai en fait. Oh, Hyperion, l'arche qui transporte 20 000 colons cryogénisés, les gars. Et il y a un type, il a foiré le montage d'un tube. Pouf, il y a pendant 600 ans, il y a 20 000 cadavres là qui crèvent et tout. Juste parce qu'il y a un mec, il a foiré sur un délire, t'es pas au courant. Toi, tu payes le jeu et tout, 60 balles, hop, ça s'arrête là. Fin, end, game over. Voilà. Bon. Ça a l'air d'être les capsules de sauvegarde. Je vais sortir d'un de ces... Hey! Voilà. On a réussi. T'inquiète. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. Là, on voit la différence. Hein. Normalement, les personnages, si t'es cette top créée, c'est ultra pourri, en fait. Les traits sont bizarres. Quand, regarde l'Asiatique qui me parle. L'été, toute l'année. On pourrait commencer par lui avoir un café, non? Ta voix, elle me fait mal à la tête. Oh, ça va, petite vue sur un truc paradisiaque. Ça va, c'est l'éclate. Oh, l'arnaque! Du rêve. Sarah oh. Ryder, voyons si tout va bien. Salut. Regardez. T'as même l'iris, les effets sur les yeux. Normalement, la qualité des iris, des pupilles, de même l'espace, même de la peau, a été modifié. Hein. Généralement, t'aurais fait une meuf black, là, comme ça. Ça aurait été même pas black, ça aurait été un genre de pâte à modeler bizarre. Et franchement, j'ai pas du tout kiffé. Je l'espère. Vous savez, même les tatouages, je crois qu'ils sont différents. Je suis pas sûr si je les ai modifiés, ceux-là. La mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas. Mais ça paraît sérieux. Bon, oh, ça rend bien, franchement. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Je crois qu'ils ont pris bonjour, Nathalie Dormer pour faire cette Asari. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques.
quel est le problème avec... On veut bouffer. Aucun, c'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Un genre si d'idée. Si les infos marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez, en théorie. Ah ouais. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous? Allez, au revoir. Je suis prête à y aller. Résultat confirmé. Je détecte une augmentation du niveau d'adrénaline dans votre sang. T'inquiète, on y chaud. Je peux pas explorer l'espace sans mon café. C'est fini. Je vais pouvoir vous libérer. Enfin. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Bon, on s'en fout. Qui vaille. Bon. Ah, et l'introduction. Ok, c'est de la merde. Ouh, ah ouais. Putain, le mec, il a pas son permis, quoi. Il est en train de parler à la copilote, tranquille. Ouais, ça, on va aller boire un coup. Fouf, il se mange le... un piton, t'es où une... Qu'est-ce qui se passe? Un trottoir. Trottoir de l'espace, les gars. Oh, ça flotte. Ouais, ça flotte, mais je peux pas bouger. Hein? Vas-y, sauve-nous, toi. À la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? T'inquiète. Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ça fait des siècles. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, les riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu. Allons. On a un ça problème par ici. C'est Scott. Oh, il a pris cher, ton truc. Ah, oh, c'est mon frère. Qu'est-ce que vous avez foutu, putain? Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Sarah, mon frère va bien. Scott va bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais le processus de réveil a... Oh, c'est la capsule qui a volé, putain! Quand est-ce qu'il pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Tenez-nous au courant. Puis tout à l'heure, il y a un mec à gauche, il servait à que dalle. À la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Ouais, arrête de faire genre tu tiens une tablette. Bon. Le monde vient de se retourner. Lui, c'est le gars qui a essayé de me serrer. Salut. Oh, l'introduction. Moi non plus. Tenez bon. Allez. Vous êtes prête? C'est quoi le problème? Les relevés indiquent une surcharge. Ouf. Putain, mais calmez votre machine, les gars. Hey, par ici. Oh là là. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Je dois y remédier. Ryder pourra la détecter. Elle a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Ceci ressemble à un tuto. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Et j'appuie sur G. Je retire les sécurités. Hein? Compris. Voilà, je pense que c'est ça, tu cliques. Le relais de C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. Oh. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder. Allez. Vous chargez de la réinitialisation? Putain, mais les mecs, je suis pas technicien, moi. Vous êtes 4! Voilà! C'est réinitialisé! Voilà! J'ai cliqué sur mon fun. Les relevés sont dans le verre! Veuillez patienter pendant que le conduit termine son cycle. Je peux même pas me casser. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram maintenant. T'inquiète. À peine dans Andromède et c'est déjà le chaos. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Prends l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez, c'est genre, conduisez-nous à la passerelle. C'est le tram. Eh, tu vas te faire éclater la tronche, meuf, là, t'es sur la porte. Bon, ça a l'air d'être la merde. On va aller voir les chefs.
Navigation, alors. Au rapport. Ouf. On dérive. T'as des Mekiko. Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Capitaine. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Ryder Senior. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. C'est moi qui... Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. C'est moi qui pèse. Non, c'est moi. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percute un nuage. Elle est bien faite, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. La capitaine asiatique. C'est assez dur dans les jeux vidéo pour faire des traits asiatiques, je trouve. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Ah, j'avoue. Elle a raison. On s'en fout. Mais l'argument de mon père tient la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oh. Oui, chef. Papa, il nous a mis coup de pression. Il nous regarde... Comment il nous regarde mal. Mon Dieu. Oh là, il y a un trou dans le la c'est planète. C'est l'habitat 7. La nouvelle Terre, avec un peu de chance. Putain, il a l'espoir, le gars. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Oh, mais il se passe un délire, là. Regardez, ça crame. On ne sait pas encore dans quel état elle est, mais ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. Le mec, il sert à rien. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. J'avoue. Et dans le cas contraire ? C'est la merde. J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe de faites vite debout. De quoi ? Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Si je veux, je fais pause, meuf. Et je vous laisse galérer pendant 6 semaines. Une vraie tête de mule, hein ? Cette famille, j'ai l'impression qu'il a déteint sur moi. Ben ouais. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Bah non. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. J'aime bien l'effet sur la planète, là, un peu cratérisé. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née une minute avant lui. Oh, les excités et tout. Je ne manque jamais de lui rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre. Alors. Docteur Carlyle. Vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche, avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre c'est le docteur. Maison, je serais ravi de toquer à la porte. Ouais, mais... Un docteur sur le terrain, c'est pas ouf. Pas trop ce qui se trouve de l'autre côté. Pas de problème. Voilà. Si ce truc a des dents, j'ai pris ma pince. Je les arrache à la pince. On les déterre. Les arrache à la pince. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes, comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. Oh, j'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Ah, il y a même un petit trait de... Scott ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour lui. Ils ont juste les mêmes yeux. C'est vrai, la mission ah, avant tout. Je sais pas. On pourrait dire que c'est vraiment mon père. Votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Ils auraient pris des traits similaires. Je lui ai promis de vous conduire ici sain et sauf.
Ouais, c'est intéressant. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Waouh, il a mis du lourd dans le discours. Ça fait 600 ans. Tout le monde est saucé. Regardez. Avec la petite musique et tout, tout le monde est à fond. Ça, c'est pas mal. Franchement, là, ça te met vraiment dans une ambiance. Ça envoie du lourd. Bonne chance, camarade. Yes. Explore-moi ce bordel. Vecteur 135. Bien sûr, on est bon. Je reçois 5 sur 5, ah ouais, le petit paysage. Waouh, pas mal. Ça a arrêté net, l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Ah ouais, genre c'est fixe, ça bouge pas. Anomalie gravitationnelle détectée. Ah, c'est pas mal parce que généralement les petites navettes comme ça, ça paraît super petit. Là, on voit que c'est quand même un espace conséquent quoi. Ah, c'est bien réfléchi, j'aime bien. L'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Il a la dalle sur moi depuis tout à l'heure, lui. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant que lire les brochures. Accélération enclenchée, planète 3 devant. Ouh là là. Descente en piqué. Accrochez-vous, entrez dans la... Ah, c'est vraiment bien fait, franchement, toutes les textures sont parfaites, j'adore. Le guidage est brouillé. Ça va passer. Mais comment tu te laisses pas perdre? Ajuster le vecteur d'approche de 3 degrés à tribord. Fouf. Navette 2, vous voyez ça? Affirmatif, ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Les démonionisations augmentent. En plus, c'est même pas vraiment une cinématique. Hein. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger, je regarde les alentours. C'est ultra bien fait, la texture de l'intérieur du vaisseau, je trouve. Même mon genre de combinaison est pas mal. Bon, ça fait un peu chez le mec avec la calvitie au-dessus, mais bon. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a dit. Et s'ils sont pas amis, ah ouais. On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile clair. Ouais. Oh. Ouais, ça peut pas se passer normal, quoi. Oh, oh. Mais t'es censé être mort, mec. Oh, oh. Ah merde. Et genre on va survivre à ce bordel. Défaillance du micro-compulseur. Fais-le marcher. Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, jetpack. Il va falloir retourner au service après-vente. Merde. Ah, ça fuit. Mais il y a de l'air ou quoi? Oh. Putain, il me faut les mêmes pour mes lunettes. La classe. Ah, mais c'est la pochette, ça. Je sais plus, j'ai vu une pochette ou une preview avec cette vue. Oh, gosse. Ici Ryder, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend ? J'ai pété ton iPhone. Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue.
Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. Putain, ils sont tous morts. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route. Avec des petites plantes bizarres et tout. Ryder. Oh. Vous en êtes où de votre formation à la survie? J'ai déjà je pensais qu'elle allait avoir un genre de dégradation. Une game cinématique. En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les très airs. Mobile et tout. Terra incognita. Ouais, je pense pas que ce soit par là. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Tu scannes toutes les merdes qui passent, d'accord. C'est une sorte de plante, peut-être morte, ou peut-être pas. Ces structures qu'on a vues en arrivant, qui pourrait survivre dans ces conditions? Je ne sais pas si je tiens à le savoir. Putain, c'est bien fait, hein. Il est grillé, rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. En cible, ah ouais, d'accord. Au fait, ouais, un petit conseil, ne respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Ah ouais. Alors, le feu, non. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais, sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bon, je pense que c'est tout droit, hein. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Oh, c'est en ligne droite pour toi, quoi. Mais c'est dingue. Bienvenue sur la Vita 7. Ça me touche ou quoi? Avancez. Ouais, je pense que c'est juste des effets spéciaux. Ah ouais, c'est... Oh. Merde. Mais gueule pas, c'était pas en train de mourir, toi, putain. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette planète veut notre peau! Oh, pas à ce point-là, quand même. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh! Ixunt Draconess. De quoi il parle? C'est Cora qui va être content. Oh, il y a un genre de piaf géant là-bas. Putain, c'est un piaf poisson Raymanta. Ouf. Ah! D'accord. Ok, mais... Laisse-moi! Hein. Là-bas! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Venez! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Bon. Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti! Oh. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la... Voilà. Encore des champignons lumineux! C'est eux qui font ce bruit? Oh, non. C'est un cul-de-sac! Oh. Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. C'est quoi? Un chauffage! Il n'y a que dalle en fait ici. Bon, premier essai, effet non concluant. On va aller tout droit, hein, vu qu'on doit aller tout droit. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Ouf. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah? Je vous raconterai autour d'une bière, un de ces quatre. T'inquiète. Ça va être limite. Je pense là, faut sauter en mode... Non. Oh. C'est bon. Qu'est-ce... On y est presque. Viens. T'as même plus le droit de t'approcher des cailloux. Je crois que je vois le sommet. Alors? Vous me faites un peu de place? Non. Merci. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. On dirait le Vortex dans Total War Warhammer. Ouais, ça envoie du lourd, hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est...
pas un hôtel. Je comprends rien à cet endroit. Nouveau monde, nouvelle façon de mourir. Oui, mais pas aujourd'hui. Ryder, c'est Fisher. Oh. Non, regardez. Mais retiens-le, pourquoi tu bouscules ? Oh ! Oh putain ! Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Ils ont l'air vénères. On n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait ? On se calme. Mieux vaut ne pas rater les présentations dans ces circonstances. Ouais. Ouais, j'avoue, faut pas merder. C'est Fisher qui traque. Doucement. On ne tire que si... Salut ! Je crois qu'ils nous entendent. Oh, la chouette ! Je suis blessé ! Il nous a vu. On ne comprend pas ce que vous dites ! On ne peut pas se battre ! Cet homme est avec nous ! Il n'a rien fait ! Naya Churid ! Ouais, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Merde, Naya Churid ! Il a tiré ! À votre signal. Mais sérieux ? Ouf. Oh, ça répond pas mal, j'aime bien. Tiens, mange-toi ça. Voilà. Allez hop, au calme. Ouf, ouf, oh, il met des esquives. Oh, je suis mort bêtement, mais je crois que j'ai mis en mode je crois qu'ils nous ont ultra pas difficile, là, démentiel. Non, je suis blessé. Sinon, c'est pas réaliste. On ne comprend pas ce que vous dites. On ne veut pas se battre. Cet homme est avec nous. Non, il a pas l'air très amical. Tac. On s'est fait classer. Il n'a rien fait, putain. Ah, il se fait tabasser, ouais, c'est ça. Je monte jusqu'à quand t'aurais pu attendre. Oh, tu peux tirer à travers les trous. Oh, ils sont morts. Ok, c'est fini. Fisher, tout va bien? Ces enfoirés voulaient ma peau. J'ai dû intervenir, Ryder. J'avais pas le choix. J'avoue, moi, j'ai laissé te tabasser. Je ne voulais pas empirer les choses. On n'avait pas prévu que les premiers aliens qu'on rencontrerait nous sauteraient à la gorge. Il faut revoir nos plans. Mais c'est qui ? On est fixé. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. Ah ! Sanguinaires, on sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Mais c'était un peu vénère, quoi. Comment ils vous ont traité ? Je dirais des prélèvements sanguins. Le premier contact n'était pas censé se passer comme ça. J'avais autre chose en tête. Vous laissez pas abattre. Il faut se dire que ça se passera mieux la prochaine fois. Ouais, ça peut pas être partout comme ça. Souvent, les premiers contacts, c'est de la merde. Hein. Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah, ma jambe. Oh. Elle est cassée. Oh, la connasse. Élève-toi. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. La vache, regardez ces cadavres. C'est quoi ces créatures? Plus lui, le mec, il a allongé, il a une, on dirait une armure de super guerrier, quoi. C'est pas le vieux truc léger que j'ai sur moi. Ça, lui, ça devait être évident, un mec ultra vénère. J'espère qu'on va l'avoir plus tard. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. C'est quoi ? Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. Vas-y. C'est vous l'exploratrice. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de T'inquiète. Temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance.
Et alors, il y a deux chemins. Vous entendez ? Ça tire. C'est Kirkland ? Oh, ils sont quatre. J'ai pas des grenades ou un truc. Oh, oh ! Oh merde ! Ah, peut-être parce que je me suis trop branlé à le sauver. Entendu. Vous allez tous mourir. Oh, si dans les yeux. Ils vont pas être déçus. J'en vois plus qu'un. Tiens. C'était le dernier. J'ai jamais aimé autant ce pistolet que dans ce Mass Effect. Les autres, il est ultra nul. Je sais plus quoi, le Predator ou un truc comme ça. C'est le pistolet de base de l'Alliance. Fonction vitale à zéro. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer ? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents ? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. Ils l'ont tué ! On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. Tranquille, quoi. C'est mon spourri. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas, oh ! Attention ! Ah ! Quoi ce truc ? Quoi ? Merde ta race ! Voilà. C'est bon. C'est quoi ce merdier ? Bon, il ressemble aux autres je trucs. Je me demande ce que c'était. Comment il a fait pour se camoufler comme ça ? Et alors ? Hey, là, ça descend. Des fusées éclairantes, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les cordes. Oh, c'est loin ! De toute façon, ça a l'air d'être au bout de la route. Ah, deux chemins. On va à droite. Non. Alors, tac, tac, à gauche, à droite, à gauche. Il y a quatre points. À droite, doit y avoir des trucs cachés, genre. Allez. Ouf. C'est quoi ce bordel ? Oh ! En bas, à votre avis. Des façons encore plus innovantes de mourir ? Ça pourra peut-être traverser avec les micropropulseurs. Allez, jetpack pourri. Ça oh. Vient d'en bas, ce bruit ? Des dieux aliens des enfers ? Dites pas des choses pareilles. Je alors. Pense que ce sont des machines. On sent les vibrations. Les proportions de tous ces trucs ? Qui a construit ça ? Des dieux aliens. Oh là là. Oh, tac. Vous comptez sérieusement aller jusqu'au bout ? Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Exploratrice un jour, exploratrice toujours. Putain, mais c'est complet là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de grotte là-bas. Yes ! Putain, on a traversé tout ça. D'accord, je pense qu'il y a un gros moyen de rejoindre à gauche. On va à droite. Oh, mais il y a de la terre là. Regardez ça. Il y a des plantes et ça tout. Ressemble regarde, il y a un oasis. Donc, hein, les scans longue portée disaient vrai. Ça aurait pu devenir notre planète. Il y a 600 ans. Après, qui sait ? Si c'est comme les plantes de la Voie lactée, il y a des signes de mutation cellulaire. Il a survécu tout ce temps.
J'en déduis que c'est l'arbre Alpha. Oui, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à tous ses amis dehors? Qu'est-ce que c'est? Il y a un animal mort là, dans une sorte de piège. Et c'est plutôt récent. Un crabe. C'est ces aliens qui l'ont posé, vous croyez? Si c'est bien eux, ils ne font de cadeau à personne. Peut-être qu'ils meurent de faim. Bon, je pense qu'il faut monter par là-bas. Comment c'est possible? Un exemple de microclimat extrême, peut-être? Protégé par la grotte pendant toutes ces années? Et le reste de la planète a disparu? Un événement catastrophique. Il y a des plantes là, par terre. Mais ça veut dire qu'il y a de l'espoir. La vie telle qu'on la connaît peut prospérer dans Andromède. Ah, il y a du rouge à gauche. On va se les faire. Ryder, encore ces aliens. Ils nous voient. Okay. C'est parti. Ils sont pas du genre bavard, hein. Ils font le tour. Mange-toi ça. Attention, ouais, t'es un peu loin quand même. De ces créatures. Oh non, sérieux. Ils se camouflent. Putain, j'avais une mitraillette. Ça, c'est pour Kirkland. Ouais, Kirkland. Vous tenez le coup? J'en faites pas pour moi. Ça tire pas tout droit. Non. Non. Oh. Merde. Ah, c'est épique les combats quand même. Ah ouais, on est là quand même. Bon, vas-y. Saute ta race. Alors, là on y va direct avec la mitraillette. Ta-ta-ta. C'est quoi ça? Pas des objets genre. Ouais, une petite installation quoi. Avec le chauffage et tout. Voilà. On va essayer de se planquer. Ryder, on va reprendre le encore même ces aliens. Hop, ils nous voient. C'est parti. Hey, ils ont une petite manie de faire un petit pas sur le côté là. Tiens. Attention. Ouf. Ils se servent de ces créatures. Y'a des mecs qui te mettent des rafales dans la tronche. Ils se camouflent. Tiens. Oh non. Ça c'est pour Kirkland. Mais Kirkland mon cul. Viens là. Vous tenez le coup. Là. J'en faites pas pour moi. Ah. On va faire ça la petite fouine de loin. Pou, pou, pou. Mange quoi ça? Oh, il est pas mort avec ta grenade! Oh, le mec il nous fait un cache-cache! Oh. Et voilà le travail! Vous vous débrouillez pas mal, Ryder! J'en ai tué plus que toi! Qui a découvert des artefacts protéins? Eh ben, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Ils se sont écrasés, on dirait. C'est pas l'un de nos vaisseaux. Ah, ils s'établissent, quoi. Mais ça... Ah, d'accord, le mec, il a rentré son vaisseau dans le sol comme ça. Oh. Ah ouais, d'accord, comme nous. Non, le piège à touristes. Ah, mais c'est un vrai pet! C'est de la nourriture, je crois. C'est pas d'ici. Impossible de cultiver quoi que ce soit sur cette planète. Alors, peut-être qu'ils la font venir d'ailleurs? Il y en aurait d'autres dans le secteur? Ça me plaît moyen. Ah, les mecs, ils étaient dans la merde, hein. Regardez, tout est foutu. Ah! On a fait un vieux rond! Bon, je pense qu'on va y aller, hein. Ah, bâtiment alien, c'est ce qu'on a vu. Là, on revenait un peu en arrière, on va aller sur la gauche. Enfin, la droite, plutôt.
parti par là, ouais. Je crois qu'on était allé là-bas, je pense. Je pense que là-bas, c'est inconnu. Vas-y. Passe. Bon, on a encore, on doit sauter encore. Tac. Voilà. En bas, il y a quoi? Que dalle. Là, on meurt pas quand même. Mais bon. Y'a rien à scanner là, putain. Demande ce qu'il y a là-dedans. Oh, petite lumière. Oh, oh. Hein? Vous avez vu ça? Une sorte. Ah oui, je l'ai vu. D'objets volants. Ajoutons ça à la liste des trucs qui nous dépassent complètement. Ah, là, il y a du coffre. C'est pas le vieil endroit. Il y avait un chauffage pourri dans le mur. Aucun coffre, rien à scanner. Alors. Quoi ce merdier? Tac tac. Bon, vas-y, fous ça là-dedans. Vas-y. Loot! C'est quoi, c'est une chaise? Et on se casse. Il y a un dernier truc à looter, t'es pas au courant. C'est pas où qu'on y va là. Je crois que si je remonte là, puis je tourne à droite, ça me ramène à l'intersection de tout à l'heure. Ouais, je pense. Voilà, là on est au point de départ. Voilà, exactement. Là, hop, droite, droite. Oup, oup. Oh! Ah, classe! Tu peux sélectionner tes objectifs quand tu cliques dessus. Le tiers. Journal. Journal des cas. L'endroit. Ouh. Oh. J'ai déjà vu pas mal d'artefacts protéins, mais rien qui ressemble à ça. Ça doit avoir au moins 300 ou 400 ans. D'accord. Ça, c'est vraiment bizarre. Même avec ces relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça, ouais, ça met du mystère, quoi. Parce que là, ça a pas l'air d'être les mecs verts. Là, c'est un genre de protéin-like qui a construit il y a 300 ans le bordel ici, tu vois. Putain, mais je me suis perdu dans leur map, hein. C'est très open world, hein. C'est tout droit. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Analyseur atmosphérique. Le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable. Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotope radioactif non plus. Donc, il n'y a pas eu d'explosion atomique. Vous entendez ? Il y a du rouge. Attention. Alors, encore nos amis. Je vais leur faire une surprise. Attaque par au-dessus. Poup poup. On se met bien. Ouais, je leur tombe dessus. Hey ! Ah, merci d'avoir regardé cette vidéo.
n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je suis en train de vous monter la partie juste en dessous là, sinon ça va faire une trop longue vidéo. Passez une bonne soirée, à la prochaine.